Qu'est-ce qu'il y a? Alors, faut commencer par là, mamie, par la pâte. Ensuite, ça, c'est pour préparer la boisson. Ah oui. Donc déjà, on va 1, je t'ai mis un 1, préparer la pâte. Oui. Donc il faut 30 g de curcuma. Ah, vous peut-être la passer à l'eau, hein, parce que comme elle était là-haut. Il faut bien sécher parce qu'il ne faut pas qu'il soit mouillé le curcuma. Donc, bah, si tu veux une intention plus sec, il y en a en dessous là. Non, t'inquiète. Alors, 30 g. 30 g. Je vais au milieu. Alors, 3 bâtons de curcuma. J'espère qu'il y en a assez. Bah, sinon, on prend une demi-cuillère à café de poivre noir. Oui. J'en mets partout du poivre noir, j'adore le poivre noir. ml d'eau, farine. 125 ml? Oui, alors. C'est ça, 125 ml, non? Un huitième? Ah ouais, à peu près. Voilà. Donc, les trois ingrédients, on les a. Et tu mets pas le... Alors, t'as pas mis la noix de coco? On prépare la pâte là même. Ah oui, d'accord. C'est la pâte. Oui, d'accord. Donc, dans une casserole. C'est en dessous. Alors, t'as les petites et les plus grandes. On va faire avec ça. Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients. Ces casseroles-là, elles étaient à mon papa. Tu te rends compte? Oui. Voilà. Faire cuire à feu doux. Il faut peut-être mieux que tu fasses là-bas alors. Que là ça va être. Alors, si tu. Attends. T'inquiète, Barquette. Voilà. Tu vas éteindre celui-là, là, que ça ne fonde pas mon truc là, oui. Non, c'est pas allumé. Voilà. Est-ce que tu as une. Fouet même. Oui, là-bas dans le. Non, là. Oh, là. Parce que j'ai pas de place, c'est là. Hop. Là, derrière le. On mélange. Qu'est-ce qui fait ça? Attends, c'est mon téléphone. Tu es là. Ça fait une odeur particulière. Oui. Une odeur bien reconnaissable. Voilà. C'est vraiment de la pâte. Ouais. Donc, on met dans le petit pot. Au mieux que ce soit un petit peu. Ah, alors attends. Et dès que tu as envie, hop, partie 2, préparation de boisson. Et l'équivalent d'une tasse, mamie. Voilà. Hop. La quantité de lait, on prend ce qu'on veut dans la quantité de lait. Bah oui. C'est juste que si tu en prends beaucoup, augmente les doses pour qu'il y ait, pour que ça garde le goût. Préparer la boisson pour une tasse. On mélange tous les ingrédients, c'est-à-dire une petite cuillère à café d'huile de coco. J'en prends une propre. Vraiment petite, hein, parce que moi ça me paraît beaucoup, hein, la cuillère à café. Hein. D'accord? Tu vois? Une demi? Ouais. Une demi. Ouais, je pense que ça devrait aller. Hop. Voilà. Une demi-cuillère à café de la pâte. Après, si tu veux en mettre plus pour le goût, tu peux. Hein. D'accord? Oui. Là, une demi-cuillère à café de pâte. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je peux prendre un bol tous les jours. Ouais.
une demi-cuillère, voilà, donc on fait chauffer. Tu mélanges. Ça suffit, ouais, non, pas bouillir. C'est comme tu veux ton lait, toi. Faut chauffer quand même pour que ça fonde, tu vois, mais. Parce qu'il faut que la pâte, l'huile de coco fonde et la pâte aussi. Eh ben, t'es venu pour travailler, hein. Tu mélanges? On verra avec le soja normal, mais avec ça, celui-là, pas besoin. Hein. Pas besoin de sucré. Pas besoin de sucré celui-là. J'adore le goût. C'est bon, hein? Ah, c'est bon. Ça fait automne, je trouve. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Le sirop d'agave. Hein? Le sirop d'érable, oui.